Salut, je me présente Kim, votre experte en vin, et j'ai le plaisir de vous présenter les systèmes de distribution de vin au verre de Winesaver. Winesaver Pro, notre système commercial véritablement abordable, et Winesaver Home, notre nouveau système de consommation à domicile. À votre santé! Assurez-vous de bien remplir votre carte de garantie. Le numéro de série est le code à 5 lettres indiqué au dos du détenteur. Ce numéro est également indiqué à l'extérieur de l'emballage de votre Winesaver Pro. Voici notre casier et notre porte-bouteille Winesaver Pro. Voici le robinet. Les tiges de soutirage en inox et les cartouches d'argon de notre système Winesaver Pro. Voici la manette du robinet, le joint de soutirage en caoutchouc et le côté mâle de l'accouplement à branchement rapide. Bon, installons maintenant votre Winesaver Pro. Commencez par introduire la tige de soutirage en inox d'environ 6 mm dans le joint en caoutchouc. Insérez chaque robinet dans une bouteille de vin pleine et fraîchement débouchée. Faites de même pour toutes les 5 bouteilles. Vous pouvez remarquer que je place les bouteilles de Pinot Noir et de Syrah au centre du Winesaver Pro parce qu'elles sont plus grosses. Le compartiment au centre est prévu pour accueillir les bouteilles les plus grosses. Assurez-vous de bien enfoncer à fond le robinet dans chaque bouteille pour obtenir une meilleure étanchéité et éviter ainsi toute fuite de gaz éventuelle. Dans la prochaine section, je vais vous montrer comment connecter la tubulure d'alimentation de l'argon. Encore une fois, souvenez-vous de bien enfoncer à fond le robinet dans la bouteille. Vous êtes maintenant prêt à connecter la tubulure d'alimentation de la cartouche d'argon. Pour connecter la tubulure d'alimentation de l'argon, appuyez d'abord sur la languette en métal située au-dessus de l'accouplement à branchement rapide, de manière à l'ouvrir complètement. Puis, glissez l'accouplement sur le côté mâle du raccord du robinet en vous assurant que l'accouplement est correctement enclenché. Vous entendrez un déclic quand l'accouplement est entièrement enclenché. Tenez fermement la bouteille et enclenchez l'accouplement à branchement rapide sur le robinet jusqu'à ce qu'il soit entièrement enclenché. Installation des cartouches d'argon. Appuyez sur le côté droit de la porte du compartiment d'argon de Winesaver Pro pour l'ouvrir et exposer la cartouche. Pour remplacer une cartouche vide, dévissez-la entièrement en tournant simplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et jetez-la dans votre poubelle de recyclage de l'acier. Un trou apparaît au fond de la cartouche pour indiquer qu'il s'agit d'une cartouche usée et vide. Voici à quoi ressemble une cartouche neuve. Pour installer une nouvelle cartouche d'argon, vissez la cartouche dans le raccord du détendeur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez visser pendant environ 7 tours jusqu'à ressentir une certaine résistance. À ce moment, tenez fermement la cartouche et continuez à visser jusqu'à percer le mécanisme de perforation pour activer la cartouche. Continuez à visser jusqu'à ce que la cartouche soit installée à fond. «
WineSaver Pro est facile à nettoyer et à entretenir. D'abord et avant tout, assurez-vous de toujours retirer la tubulure d'alimentation de gaz avant de retirer une bouteille du casier. Retirez le robinet de la bouteille vide et désassemblez la tige de soutirage du robinet. Faites couler de l'eau très chaude. Aïe ! Rincez la tige de soutirage sous l'eau très chaude. Ensuite, appuyez à fond sur la manette du robinet et faites de nouveau couler de l'eau très chaude dans le robinet, d'une extrémité vers l'autre, pour rincer tout résidu ou sédiment de vin restant dans le robinet. L'étape suivante constitue l'étape d'entretien la plus importante et doit être effectuée chaque fois que vous remplacez une bouteille de vin. Rincez à l'eau chaude les ailettes du joint pendant 30 secondes pour les décoller et leur permettre de reprendre leur forme initiale. Je tiens à souligner l'importance de cette étape simple et pourtant essentielle et à vous rappeler qu'il convient d'y procéder chaque fois que vous remplacez une bouteille. Réintroduisez la tige de soutirage d'environ 6 mm dans le robinet en essuyant les excès d'eau et réinstallez le robinet dans une bouteille de vin fraîchement débouchée. Votre système WineSaver Pro est prêt à servir du vin de qualité. Problème : le vin ne s'écoule pas du robinet. Que faire ? Première hypothèse, la tubulure d'alimentation de gaz n'est pas connectée ou n'est pas entièrement enclenchée. Raccordez correctement la tubulure d'alimentation de gaz. Deuxième hypothèse, vous êtes en panne de gaz. Alors, remplacez simplement votre cartouche d'argon ou il est temps de réparer le robinet. Je vais maintenant vous montrer comment réparer un robinet défaillant. Voici un robinet qui fonctionne normalement. Vous remarquerez que la manette est serrée et présente une résistance normale. Comme vous pouvez le constater, cette manette présente en revanche une résistance excessive et doit être réparée. Il s'agit d'une simple réparation. Dévissez simplement la plaque avant du robinet et mettez-la de côté pour le moment. Ensuite, retirez le couvercle du joint en caoutchouc situé à l'intérieur du robinet. Placez le joint en caoutchouc sur la manette du robinet et appuyez en même temps sur les deux pièces. Pour vous aider, vous pouvez appuyer sur le joint en caoutchouc en le posant vers le bas sur une surface dure. Vous devez sentir les deux pièces se réenclencher l'une dans l'autre. Assurez-vous que les deux pièces sont fermement accouplées. Puis, revissez la plaque avant sur le robinet en vous assurant de bien aligner les filets. Resserrez à la main. Dépannage. Problème. Le vin qui s'écoule du robinet est mousseux. Que faire ? Réponse. Les quelques premiers millilitres tirés d'une nouvelle bouteille sont toujours un peu mousseux, et ce, jusqu'à ce que le vin commence à s'écouler pleinement.
Assurez-vous que les tiges de soutirage en inox sont insérées avec le coude dirigé vers le fond de la bouteille. Vérifiez le joint de la tige de soutirage en inox pour vous assurer qu'il n'est pas déchiré ou endommagé. Si le joint est endommagé, contactez Winesaver Pro pour obtenir une pièce de rechange. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est bien enfoncé dans l'ouverture du robinet. Réajustez la tige de soutirage en inox dans le joint en caoutchouc. Si le problème persiste, appelez Winesaver Pro au +1 610 435 0242 pour obtenir de l'aide. Vous pouvez désormais savourer du vin frais pendant environ 3 semaines par bouteille. Pour obtenir des informations supplémentaires sur nos produits Winesaver, consultez notre site web à winesaverpro.com. À votre santé !